J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un mini tutoriel de comment j'ai réalisé mon jus de gingembre avec deux ingrédients seulement. Alors, tout le monde connaît les vertus du gingembre, anti-inflammatoire, antioxydant, ça réduit la fatigue, favorise la digestion. Le gingembre plus le citron aide à la perte du poids. Le gingembre étant plein de zinc, en ce moment de pandémie, on recommande de consommer fortement le zinc. Et le gingembre est l'un des ingrédients qu'il contient. Il est également très rare en ce moment dans nos marchés. Sans plus tarder, on passe à la préparation. Pour la préparation, il vous faudra un quart de citron, quelques feuilles de menthe, 200 g de gingembre et 200 g de sucre. Après, pour le dosage de sucre, ça dépend de vous. Si vous voulez que ce soit plus sucré, vous pouvez doser le sucre à votre façon. J'ai utilisé le sucre roux tout simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main. Le sucre blanc marche aussi très bien. Maintenant, le gingembre étant lavé, découpé, je vais le passer au mixeur. Je vais rajouter un verre d'eau pour la mixture. J'ai écrasé énergiquement mon gingembre. J'ai obtenu cette pâte onctueuse. À passer tout ceci dans un chinois après la préparation. Et pour la préparation, il nous faudra 1,5 litre d'eau. Après, vous pouvez utiliser plus ou moins si vous voulez que votre jus soit plus piquant ou moins piquant. Je vais caraméliser le sucre pour avoir un jus un peu sombre. Déjà, j'utilise quelques gouttes d'eau dans ma marmite chauffante et je rajoute du sucre. Remuer jusqu'à ce que devienne de plus en plus collant. Ajouter maintenant ma pâte de gingembre et je tourne et je tourne. Je vais lancer mes feuilles de menthe et je laisse mijoter quelques minutes et mon jus est prêt. Il ne restera plus qu'à le filtrer avant de mettre dans des bouteilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Petit disclaimer, j'ai choisi le gingembre marron comme ceci pour changer de la couleur jaune de gingembre naturel très brut, à l'état brut là. C'est un choix personnel. Après, vous pouvez également ne pas choisir de caraméliser le sucre et avoir la couleur très neutre. Donc, il suffira juste de mélanger sucre, eau et gingembre. Ensuite, la menthe. Pour avoir un petit arrière-goût parfumé qui atténue un peu le gingembre sans toutefois perdre ses vertus. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.